On a trouvé un deck très compétitif contre un deck très spicy. Ouais. Ouais. Ouais, clairement. Ouais. On avait pris en considération certaines de vos demandes, mais on a essuyé, on peut le dire, pas mal de refus de joueurs qui sont bien Oui. à leur table et qui veulent jouer dans le confort qu'ils ont On de avait leur partie. un Flamewear qui était motivé pour aller en table filmée, mais son adversaire non. Un Golos, c'est l'inverse, non, c'est ça? Un Golos qui voulait pas te filmer. Bref, il y avait des trucs où c'était un peu. Voilà quoi. Donc ces joueurs sont à X1 normalement, au positionnement de table où ils étaient. Ouais, il doit être à X1. C'est ça, ils vont déterminer le toss avec un gros D20. Et bah ça fait pas grand chose. Oh, Un c'est super argent impair. tripaire impair. Ouais, c'était argent tripaire impair parce que. Ou alors moi je lance le dé, et si tu devines le chiffre, tu Ton commences. adversaire, c'est autorisé ça, ce genre de Pas choses? du tout, du tout, du tout, du tout. Ok, alors, Oh là nous avons là. donc, d'un côté, Slamput, pack un peu connu, je pense, pour ceux qui ont l'habitude de jouer en Oh là PC. si, on a le crabe, on a la saisie, la déférence, la laurienne, on a mangé comme il faut. Du coup, le Slamfoot Aptos, il est content parce qu'il peut mettre son petit elfe assez rapidement. Et donc, du coup, bah, on Ouais. va pouvoir agresser, hein, Ouais. Et on n'a pas clairement. le Tibet de terre. On vient de piocher un autre truc à 1, je crois. Non, mais je pense qu'en fait, il doit se Scène, s'il vous dire. plaît. C'est marqué quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Scène SVP. Alors. Alors. Il change les règles de paix d'Emirlan. Ah non, non, non. D'accord. Ok, bon. Top. Les paris. Ah oui, il change la règle de paris. Ah oui, on parie comment? On parie comment? Je te laisse l'honneur de parier. Ah non! Moi, je vais parier à Moi, chaque fois. c'est Rogaxilas parce que c'est encore une fois le truc pas méta et Ok. je suis défenseur des opprimés. J'ai T'as le droit de parier sur le même aussi. Hein. très grande foi en Rogaxilas pour gagner SBO. Mais juste par envie de te Adversité. laisser une chance, Oh. je vais dire que c'est Slimefoot qui va se mettre bien. Ah sinon, si ça fait 3 fois de suite, il faut que les joueurs te virent 5 billets et tu portes bonheur. Hein. Alors, il y a des decks contrôle, mais pas forcément très très bien placés. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des tables les plus hautes vers un peu plus bas, pour essayer de trouver des joueurs qui voulaient bien Le plus passer à la contrôle cage qui d'or. reste, c'est Il y a un un. Aragorn qui est en haut dans Dans les les tables. 16 premiers, il y a un Aragorn, je crois. Vraiment, c'est. Bon, pour rappeler aussi les modalités du tournoi, ils vont jouer 8 rondes, puisqu'il y a un cut au top 16 et ça rejoue demain. Donc, normalement, c'était pour un nombre de joueurs beaucoup plus important, mais pour respecter le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs et fait les placements, l'Orga maintient quand même ce nombre de rondes pour l'adversité et surtout bah, l'entraînement pour beaucoup de joueurs qui sont venus là pour s'entraîner. Il y a aussi beaucoup, il le fait aussi pour avoir le système du demain, il y a des joueurs qui vont jouer gratuitement. En fait, C'est ça c'était une aussi. des promesses du week-end, c'était genre, bah, tu dépenses de la thune samedi et le dimanche, tu reviens et voilà. On a pioché un brainstorm? Oui. C'est vraiment cool. Parce que Oui. ça ouvre beaucoup de. Alors, on va regarder ce qu'elle tombe dans la main. Exterminer déférence. Bah alors attends. Ce petit exterminé, il fait du Ah, du taf, coup, effectivement. j'ai rêvé que c'était une déférence. La carte qui est juste là, là. La foil bleue dans l'angle. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un passe-passe de Eldraine. Ouais, c'est exactement ça. Ah, ah les reflets ombragés. Oui, avec le vieux qui fait oh comme ça avec Oui, le chapeau de paille. exactement. Avec ces chapeaux qui font penser à des chapeaux, comment dire, japonais, les comment Oui. ça s'appelle? Je. Ceux qu'on voit dans Naruto. Bah ouais, j'ai. Hein, j'ai pas là. J'allais dire le Solomonk, mais c'est une référence au Dofus, c'est le chapeau. Mais du coup là, est-ce qu'on n'irait pas prendre ce petit exterminé histoire de juste tapoter l'elfe? Il n'y a pas l'air de pouvoir faire grand-chose d'autre. Ça ralentit l'adversaire, ou alors plutôt tu considères que tu vas creuser un On peut maximum possible. se faire lock très très vite. Hein. Il y a un tuteur côté Slimefoot, on peut se prendre contamination ou des trucs comme ça. Alors pas au prochain tour, par contre une Dans Aenyrave, deux ça peut être tours. bien, parce qu'il faut savoir que Rogaxilas, on Oui. n'en a pas parlé. Donc Oui. Rogaxilas, c'était Vas-y, quoi? explique le storm. Donc c'est un deck Storm. Qui tue avec des boucles classiques de mémoire, Tendrils, des choses comme ça. Alors ouais, t'as Tendrils, mais ça s'est mis en place aussi via du coup approvisionneuse du Rocamodeur. Ouais. Et Cunning the Week Ouais. qui permet de. Bah, je te laisse Et. continuer, c'était parti. Mais donc, oui, soit t'as les boucles avec Tendrils classique, soit t'as les boucles avec, du coup, comment elle s'appelle? Breach. Bridge, c'était. Ouais. Voilà. Je savais plus le nom de la Brèche du carte non monde plus, je t'ai repassé du le. terrain.
Ouais. Qui du coup fonctionne effectivement avec Okay. notre petit Stitcher et notre Killing the Week. C'est ça, ouais, j'étais j'avais plus le nom, j'avais Brèche du monde souterrain en Ça, c'est la tête. partie combo. Et alors, il y a une autre partie dans le deck qui Avec surprend un petit peu. C'est de faire Burial Alive, de mettre des créatures qui reviennent du cimetière d'une manière avec le Scrofuleux, deck. Phénix. Ouais. Et la troisième, c'est quoi? Ce qu'on fait Phoenix, Amalgame. Ah oui, il joue. Ok, il joue ça. Ouais, c'est Voilà. ça, il joue pas les amalgames. Ok, ouais, il y a des lignes de play qu'on Je crois retrouve qu'il dans y en a certains decks d'autres. Je jaunes. crois qu'il y en a encore un autre. Mais je suis pas sûr. Bon, il y a peut-être un Kroxa, non? Non. Non, c'est trop lourd. Un autre truc qui revient tout seul. Bah, j'en connais d'autres, mais il faut soit jouer un C'est Walker. scrofuleux, Pox vient. Poxwalker, ouais, c'est ça. C'est scrofuleux. Et bah, peut-être. Non, Exécration de sang? J'ai un En doute. autonome? Narcomib, ça fait trop Non, lame, hein. c'est C'est trop faible. Bon, on verra bien à côté. mais voilà. Mais les trois là, oui, en tout cas, ils sont très très bien. Et ça donne beaucoup, beaucoup de temps. Ok, on a bloqué avec le crabe. On save les PV tout de suite. On va suivre le DT là. Hein. Je pense qu'il se dit, Ouais, j'en le fais pas Phoenix, grand-chose de plus dans mon crabe. ouais, le Phoenix, on l'a déjà évoqué. Ouais, c'est le Phoenix avec le commandant, hein, quand tu casses le commandant, le 3-3. Et justement, le Prize Amalgam, il revient. Si t'as des créatures qui sont Ouais, revenues pour c'est les, Cimetière, c'est les sache-en trois, c'est bataille. les trois qu'on a cités, mais du coup. Mais je crois qu'il y en a un autre. Fais-moi dans Jeskha, qui est un Walker, du coup je peux Ouais. jouer le Phoenix de Jaya, Ouais. qui est vraiment broken, c'est le Phoenix en mieux. Ouais. Mais je vois pas trop. Je crois que Damien, je crois qu'il y en a encore un autre dans certaines listes. Alors, Diabolique Dessein qui a été fait, on allait tutoriser. Alors, c'est ballot, il y a saisie en face, mais. Ouais. La Mais. question, c'est est-ce que c'est une carte qu'on va pouvoir jouer tout de suite ou pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait coûter 2 mana et qui est en full Golgari? Doty? Doty, ça passe. Doty, ça passe. Doty, ça passe, ça fait mal en plus. Doty, ça tape. Il y a une plante qui est apparue visiblement dans la main. Est-ce que ce serait ça qu'on serait allé chercher? C'est peut-être ça qu'on On allait va chercher. vouloir jouer la value sur le match. On cherche pas l'agression du coup. Ok. Ouais. Alors après, la value, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'en fait, là, il dépense du mana dans des trucs qui retirent du board. On vient d'enlever 2 points de dégâts sur le board. C'est ça, exactement. On vient de. Ah oui, alors par contre, si Storm n'a pas une main structurée très vite, bah, il va se faire dépasser en ressources. Mais là, on a beaucoup d'anti-bêtes, on a beaucoup de counterspell et de discard, mais ce qu'il y a déjà sur le board est suffisant. C'est un DT, je crois. Non, c'est un Tainted Pact. Il y a déjà un Stitcher dans la main. Ok, bon, il y a Fury, mais on s'en fiche. Il y a un Exterminate s'il faut vraiment pour retirer l'elfe. Ouais. J'ai vu la caméra de main. Ouais, Elle c'est est trop bien, elle bien. est très pratique. C'est trop trop bien. On dit ça et Bon, elle est là. il y Donc a c'était bien la DT et pas lumière, ouais. Tainted Pact. Du coup, on Il y a a. beaucoup de lignes. Bah, si on peut reprendre un petit tour pour piocher, on peut partir en vadrouille tranquille. Hein. On ne doit pas être trop bas en point de vie. Là, on va se mettre deux. Ah, on a approvisionneuse. Ah oui, bah, il manque plus grand-chose, effectivement. Bah, on était dans Breach. Non, Bridge, ça doit être effectivement. le truc le plus difficile à trouver. Donc j'imagine que Ouais. si tu dois faire un DT, ça peut être là-dedans. Sinon, ça va être dans un autre plan de jeu. Ouais, effectivement. J'allais dire, ce qui est bien avec Rograk, c'est qu'il y a plusieurs styles de plan de jeu avec. Mais il y a un des plans de jeu qui est mort là Ok, récemment. donc il réfléchit à prendre son temps parce qu'il a montré une damnation. Ah Enfin, ouais. il a relevé une damnation, donc Oui, visiblement il. je viens de la voir. Effectivement, bah on peut. Bon, il y a Belfoustrix, bah, on voit les cartes du deck. Ouais. Il y a Reanimate quand même dans le deck. Ouais, Bridge, hein. Il a tout, ce qui va lui manquer, ça va être, Moi, la question que je me pose, c'est il que a du coup, sur cette charge, est-ce deux tours, que. il a deux tours, il faut Ouais. lander 2 tours et il a gagné. Dans la liste de Mara, il n'y a que ces trois-là. Merci pour l'info. Ok. En tout cas, la dernière liste, pardon. Après, je crois pas qu'on en ait vu d'autres quand il y a passé. Non, voilà. Alors. Est-ce qu'on peut, bah on peut exterminer, donc on peut cut down le dork aussi. Je pense que Cut Down the Dark, ça a du sens. Ouh, on se prend Moloch, on fait la tête. Hein. Ouais. On se prend Moloch, Après, on est full exilé. Hein. il y a une vraie idée derrière ça, c'est que ton Stitcher, si tu le poses maintenant, déjà il ralentit ce que ton adversaire fait. Et Ouais. potentiellement, tu peux tomber sur la pièce de la combo que tu peux récupérer derrière avec Reach. Mais si tu te prends Moloch, tu perds ton plan A. Tu peux quand même jouer ça au CA, Ouais, je pense. puis si t'as suffisamment de cartes dans le cimetière, tu peux quand même faire du Rograk, Ken of the Week, Rograk, DT Ouais. et double comment ça s'appelle notre ami Tendrils. Il faut Ouais. beaucoup de cartes au cimetière.
Très bien. En tout cas, il est agressif dans ses plays, il va chercher à... Clairement, il cherche à setup des choses rapidement. Oui. Sachant que même s'il a un land, il peut pas partir le tour d'après, si j'ai bien compté. Il y a pas de fast mana. 4, 5, oula. Je crois que s'il a un land, il peut partir. Hein. T'as besoin de refaire des T, mais t'as rien pour sacrifier là et gagner du mana. Ah, tu veux dire, ok, genre juste bridge des T. Oui, non, je pense la même chose. Non, bah non, il lui manque un tout petit... toute petite pointe de fantasy. Après, Culling, ça part, je crois. Alors. Wow, 15 Defiler pour ça. Alors, pour ça, oui, mais ça veut dire que je te rends 3 points. La carte bleue au plein milieu du board, c'est un token indice qui a l'air d'avoir été altéré façon Doctor Who. Je dis pas. Je dirais un... Il y a un Poxwalker, c'est intéressant. Ouais, il y a un Poxwalker, ça fera une très bonne ligne de défense. Ouais, et il y a un... Mais il arrive tard. Il arrive tard. Ouais, mais c'est pas grave, enfin, il y a un Poxwalker. Enfin, ouais. Cool. C'est cool. Et par contre, c'est un Cabal qui permet de finir la partie. Bah attends, mais du coup... Non, ça suffit pas avec Kawal. Là, on n'est pas parti pour. Par contre... Ah, peut-être. Si, sinon, c'est peut-être. Fini. Non, c'est bon. Il y a des trucs qui sont... 1, 2, 3... Il y a des trucs qui sont... Bridge, non, non, il manque un mana. Il manque un mana. Tu fais ton rituel. Imaginons que t'as un land. Hein. Ouais. Tu fais rituel, plus bridge, plus DT. Il te reste un mana. Tu casses Rodrak. Avec Rodrak, tu fais comme ton Killing the Witch. Il reste plus que ça. Il a le seuil, là. Il fait 5 mois. Plus, il fait 5 mois. Non, c'est bon. C'est bien. C'est bien, parce que tu peux rejouer la provisionneuse avant, c'est bon. Ouais, il a tué la provisionneuse, il a donné un plan en fait. Mais il l'a fait gagner. Alors que le plan de jeu compta, tu planais au-dessus du format. Ouais, ah, le choix de Pince Crane, c'est bien, hein, parce que t'avances. Là, il est à 16, donc le tour d'après, tu te prends un bulldozer. Mais... Alors, on compte ensemble les amis. 2 pour la bridge. 2 pour le cabal, on enlève 3 cartes. Voilà. Sachant que il faut. Il va en rester après l'exil. Il va en rester 8. Donc c'est bon. Tu fais les 5. Tu joues la provisionneuse. Il t'en reste 2, t'en remets 3, ça fait 5. Tu fais DT, il t'en reste 2. Tu joues le Culling the Week, tu mets 3 et c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah oui. Waouh. Alors, ouais. Pour faire écho à ce que j'ai dit lundi, Breach n'est pas mort, et ça tourne de façon plutôt ferme maintenant. Ouais. Et c'est toujours aussi impressionnant à voir. Hop, hop, ouais. Avec les cartes Pokémon de dos. Ah oui, vraiment, c'est bien. Ça, c'est son Storm Count. C'est ça. Ça, c'est le mana noir. C'est ça. Donc. Breach et ferme dans la même phrase. Attention, hein, la phrase peut être très longue, hein, mais... En l'occurrence, là, ça demande quand même d'avoir eu plusieurs pièces. Ouais. Donc là, on est au deuxième trigger de... enfin, deuxième Storm Count. Ouais. C'est ça. Mais par rapport à tout ce qu'on a connu de Breach, vous ne l'enlèverez pas celle-là, que c'est quand même vachement mieux comme ça. Donc on est au deuxième Storm Count. C'est quand même fort. Ah, c'est trop fort, bien sûr. Par contre, le Chaos Defiler, oui, c'était vraiment... On a tiré à la Gatling sur la mouche et... Il a gardé Paul Swalker au cimetière ou pas? Non, t'en as pas besoin. Oui, tu peux avoir une free ligne de réanimation pour manger. Pour le manger sur quelle ligne en fait? C'est ça. Ramener Paul Swalker est obligatoire. Oui, il a lancé une carte d'autre part, mais elle est dans le coup. Est-ce qu'il l'a exilé dans son coup? Elle l'a exilé dans le coup, je crois. Bah, pour l'instant, il n'y a que ça, donc. Il l'a pas exilé sur le rituel. Ah, si, peut-être? L'exilé dès le rituel. J'ai pas la vision et ça ne change pas, il reste une carte. Mais oui, Bran, j'ai envie de dire le Branix. Effectivement, donc nous là, dans notre vision, c'est on n'a pas vu si c'était le. Après, ça change pas la finalité, je pense. Non, c'est juste que t'as pas cabale dans ton spirale. Mais t'as encore des T. Donc là on est parti, donc il y a Frantic Search au Grave aussi, si jamais. Mais de toute façon on sera que sur du mana noir. Donc là il lui explique. Un bon réflexe à avoir serait de dire bah montre-moi ton deck. Ouais. Je crois qu'il lui... Je vais tout voler. Et le laisse... Ah bah par contre... ouais bon bah après les joueurs s'arrangent entre eux. Hein, mais
Moi, j'aimerais bien connaître, savoir par exemple, est-ce que mon adversaire joue faux ou pawn, tu vois, genre prendre ces informations. C'est un peu clé. Et bah, le joueur de Slime Foot, oui, il est un peu en mode, ah bah d'accord. Ah bah très bien, on était 4. Ouais, après, ça se trouve, il connaît en partie le Ouais, deck. Ça se trouve, ils se connaissent. ça se trouve, ils se connaissent. Ouais. Ça se trouve, ils se connaissent. Très bien. Effectivement. Eh bien, ok. Et eh ben, Très, go. Très très clean avec une carte de. Eh, c'était 4 CFR. Bon. Ouais, là, j'avoue, je leur lance pas la pierre. Non, ils non, vont pas tard. complètement, complètement, complètement. Après, des kill T4, ça existe. Hein. Marat peut te le faire aussi. Il y a plein de trucs. Hein. Oui, il y a plein de packs En fait, qui sont pas canon. long, mais bon. Ouais, c'est beaucoup de formats au final où il y a un kill T4 combo qui est possible. Plus maintenant, ouais. Ouais. Heureux, Turbo, comme on est en Discord. Tout se passe bien. Bah, il y a une bridge qui vient de jouer un joueur T4, mais tout se passe bien. Oui, effectivement, Bridge est une carte infernale, mais on est d'accord. Backpo aussi, ouais, tiens. Tac. Et il y a du spectateur, on est content. C'est cool. Ouais, merci de regarder ce live. Mais ouais. Donc, c'est un deck, encore une fois, qui part sur le cimetière. Et en vrai, il y a eu des interactions durant la game, mais je pense que, très honnêtement, je Ouais. sais pas, le genre de Slime Foot, peut-être qu'il... Je sais pas à quel Est-ce point il est qu'il familier, pas familier. connaissait parce que quand il a DT dans le passe-crâne. Un peu dommage, ouais. Ouais, c'est ça. Honnêtement, une réveille contre ce pack-là, un petit peu, bah, tu gagnes quand même vachement de temps, quoi. Alors, ça doit pas être dans le deck, mais j'avoue que quand tu poses une spell bombe, ça doit pas être l'ambiance pour le meilleur joueur de Rogue. Ouais, et puis même, j'ai vu plein de joueurs d'OSF qui jouaient, comment elle s'appelle? Hearth, du coup, à la période Hier d'Eris. aussi, ok. Ouais. À la période d'Eris, et C'est vraiment un artefact qui a de sa Ouais, Mara popularité. win la première. À sa popularité. Marin, c'est son pseudo. Non, c'est son prénom. Ah, d'accord. Son pseudo, c'est Arias, du coup. Oh, je mets enfin un visage sur celui-là. Exactement. C'est fou, hein. Qu'est-ce qui n'a aucun sens, Damien? On est game 2. Alors. On a une main semblable à la première, j'ai l'impression. On a des lands, on a des tuteurs. C'est un clamp, je pense, derrière la reveal. Genre le clamp un peu. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et on a la transmute à deux. Shredder, un transmute à deux. De l'autre côté, on a de l'elfe. On a rite mort. Ça, c'est pas le possible. Pas mal. On a une Laelia pour mettre de la pression. Le Il y a visiblement du LVOS land. d'Aferis, c'était quasiment gagnable pour Iris. Ah, moi, j'ai affronté ce Iris, mais j'ai pas vécu le côté Iris. Ok. C'est des mains qui ont un petit truc. Juste, à Pas mon avis. d'anti-bets encore, mais. À mon avis, notre joueur de Slime Foot, il garde sa main en mode ouais, mais il y a un petit goût de la première, quoi. Il y a un petit goût d'il manque un truc. Bah, je pense surtout que maintenant il est plus averti sur Ouais. ce qu'il fait. Oui. Ah, est-ce que tu baites un elfe de Yanowar pour voir s'il y a un removal sur Dork et ensuite tu développes le rite mort? Je pense que t'es pas pressé de faire le rite mort. Le rite mort, il a plus. À moins d'avoir un souci au niveau du mana, le Ouais. rite mort, il a pas une Il a valeur une. Bah, énorme à être il joué a tout de une... C'est suite. ça, il a une valeur immense sur le match après, mais. Faut mieux espérer que ton adversaire veuille te ralentir. C'est ça, ouais. Surtout qu'en plus, il est sur la draw. Donc, étant sur la draw, Mara a une plus grosse incentive à gérer le dork. Ok, et on pourra trouver son land tranquille. Oh, la bolt en top deck, Ouais. c'est nickel ça. Bah, tu sais ce qu'on appelle ça? Le Le talent. talent, ouais, c'est cette phrase. C'est le talent. Exactement. Alors, on va fetcher tranquillement Ouais. et on va proposer la gestion. Et c'est bien parce que là, ça met très à l'aise hein, pour la suite du match. On évite de subir le Slime Foot T2. Bah en fait, tu viens de virer deux problèmes à la fois. Tu viens de virer Ouais. l'accélération et Ah non, du coup vraiment. la gestion de ton cimetière. C'est ça. C'est caviar pour Arias. Good old Lightning Bolt. C'est Désolé. ça, ouais. Ça aurait presque pu être un. Oh, it's Lightning Ouais. Helix! Le bon joueur pioche DT à toutes les games, le mauvais joueur ne pioche pas. Ouais. Ouais. Le bon joueur n'a pas besoin de DT. C'est pas aussi ça, ouais. Ça doit être ça, ouais. C'est aussi le bon joueur, il a tout dans les mains de base. Alors, bon, on a quand même un Dork qui est jouable. Est-ce qu'on a un T2 qui follow? J'ai pas vu ça. J'ai Moi, pas vu. j'étais resté sur l'histoire Il qu'il avait des y, y, landes, y, les avait, deux y, elfes et y, la avait, Lélia. y avait bien Moloch et de coups d'outils dans le deck, on vient de les voir passer. Ouais. Qui aurait été excellent contre la provisionneuse.
Yes. Est-ce qu'on serait pas allé DT trop vite d'ailleurs côté Slendfoos à la première? Ah bah, s'il connaît pas le match-up, oui, je pense. Ok. S'il connaît le match-up, je pense qu'il a pas valorisé la bonne carte. Ouais, parce qu'au pire, il prenait endurance en main, puis il avançait la partie, c'était bien. Hein. Je pense que poser un objet, c'est mieux. Tu vois, genre, s'il avait un truc à poser, c'était mieux. Ok, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il était dans un trou où Ok. il esquivait. Ok. Ouais. Ouais, alors. Ok. C'est léger encore. Ouais. Bah, pas de mana. Hop. Ça pioche Belfool ou Shredder. C'est assez médium au final. Hein. On va. Ouais, mais du coup, en fait, Slam Foot, il propose pas un truc très rapide. Déjà parce qu'il s'est fait stopper par la Bolt. Et puis c'est la foot. Si c'est pas s'il y a pas Slam Foot, après c'est la créature est. Ouais. Ok, donc Léger Shredder. Ouais. Déchiqueteur. Reconnaissance de la carte. Ouais. On a l'Aelia en main. On a terminaison? Non, j'arrive pas. Et là, du coup, il peut faire Rograk juste pour trigger Mais je crois que c'est ce qui part, hein. la. Ouais. Exactement. Hein. Allez. Si on peut avoir une 2-4, c'est bien aussi. Bah, un truc qui bloque Solimon et qui force son adversaire à être proactif s'il veut avoir une cloque, en fait. Ouais, donc ça c'est un Rograk pour gaucher du coup. Oui. Oui. Parce qu'on avait un peu le droit au bonheur au moment. Michel a trouvé la bonne photo. Allez. Ah, Michel est trop fort. On a jeté la Laurienne. On a pumpé. On a une 2-4, donc déjà l'agression judiciaire. Ouais. Excellent. Non, c'est bien là. Le genre de combo est à Okay. peu près confortable. Si on a Solland, on peut jouer Fable. Si on n'a pas Solland, on va faire un Faceplant là. Il va y avoir de la tristesse. À moins que la carte tout en bas soit le land. Sinon, c'est pas un Yeah. Phyrexian Furnace, mais ce serait très bizarre. Bah, toi aussi, tu vois le truc orangé avec Ouais, la porte et exactement, c'est pour ça. on dirait un Phyrexian Furnace. Mais je dirais plutôt Animate Dead avec le côté rouge en Oui, ça haut. peut être ça aussi. Et alors là, c'est. Ça a l'air d'être Animate. Il y a un bout de tombe. Je me sens qu'il y a un bout de tombe. Bah après, il y a des. Ouais. Alors, si ça terminate. Mais bon, il y a clairement un manque de mana parce que là. Là, c'est même départ double Dork, double Fetch. On touche pas. On va Dork Go là. Aïe 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 aïe. Ah ouais. Hein. Aïe 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 Et aïe je aïe. pense que si je joue rien, c'est que c'est effectivement une nuit dead. Ouais, ça. Parce que je vois pas d'autres trucs colorés comme ça. Ouais, et puis Animate Dead, le rite mort, ça peut être un plan de jeu. Ouais. Mais c'est cher, donc peut-être pas envie de le passer maintenant. Bon, de l'autre côté, bon, on a ces trois couleurs. On va pouvoir faire une belle foule. On a un prince crâne aussi. Donc on va même pouvoir trigger. Connive, connive. Connive, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est fort de conniver sur une volante. Hein. Ouais. Ouais. Trigger. Aïe aïe aïe. On va rajouter une carte. C'est fort quand même d'avoir un pack combo qui a un plan de jeu avec des créatures. Le drop 0 joue tellement là-dessus, hein, c'est Ouais. vrai. Non mais juste d'avoir des créatures tu sais qui peuvent un peu taper Ouais, et qui peuvent. mais il doit en avoir à peine une dizaine, mais elle se présente bien là. Hein. Ouais. Ah oui, bah là on va à l'agression du Puis il y en coup. a tout un groupe qui fonctionne tout seul. Ouais. Il y a une autonomie qui est importante. Le bonheur? Oh, c'est pas le bonheur ça. C'est un dismember? C'est un Bob? Un Bob? Ah. C'est un C'est Bob. Bob. C'est Bob. C'est malheureusement Bob. J'aurais engagé cet elfe. Simplement Bob. Moi, il va pas taper avec. Ouais, du coup, Maintenant. je l'aurais engagé pour Bob. T'aurais pas mis, toi, le trésor, la fabrique Brise-Miroir, là? Parce qu'il a une fable en main. Plutôt que Bob. Il garde un verre de up, en fait, pour Ouais. Ouse. Peut-être pas vivre dans la peur de se faire kill T3 quoi Après, derrière. ça dépend, c'est quoi ton objectif, quoi. Ouais, c'est ça. Oh. Bon bah lui, en tout cas, marin, si j'ai bien On compris, clampe. ne manquera pas de land. Or, il a le crabe et tout. Ouais, vas-y, c'est un rempart. Pour l'instant, ça va. Ouais. Ça va, ça va. Ah, et puis il va pouvoir transmute, donc au final, il va se déplacer tranquillement vers sa fin de partie, si ça continue comme ça. Voire même, il va tout simplement mettre l'agression. Et on va pouvoir mettre le crabe 1-2. C'est envisageable. C'est clairement envisageable. Ah, c'est bien. Hein. Non, mais je suis surtout en train de réfléchir vis-à-vis de ton histoire de fable. Je me dis, en vrai de vrai, si le tour précédent il y avait eu un kill potentiel ou autre, il y aurait eu plus de choses présentées.
Effectivement, jouer la fable maintenant, ça avait du sens plutôt que le bob. Bah, c'est-à-dire que t'installes la 2-2 qui fait du trésor, donc si t'as un land, tu jump tout de suite en termes de mana à 5 mana. Alors que là, bah. Oui, on n'oublie pas le trigger. Marin a décidé d'aggro lui. Et bah, Marin a raison parce qu'il y a. Il y a quand même Obscur Confident et il y a des CSM 5 en le deck. Ouais. Ça peut juste très mal finir cette histoire de Bob. Donc là, en l'occurrence, Bob très gentil, meilleur Bob du monde. Oui, un land. Glitter Bob. Glitter Bob. Mais on va donner l'info si on pose pas Fire Essence Tower. On va donner l'info de l'autre pioche. Ouais, il réfléchit. Hein. La Elia, ça agresse bien en fait. C'est peut-être le moment de la séquencer. Et si on peut mettre Tour Phyrexian, si on tombe sur Tainted Pact, mais je pense qu'on va surtout essayer de trouver un land supplémentaire pour value la main. Ouais. Et si c'est Tainted Pact au-dessus, aïe aïe aïe. Ouais oui, on veut les deux points. Hein. De toute façon, derrière, on ne pourra plus. De toute façon, on n'est pas là pour bloquer. Hein. C'est ça. Donc on a laissé passer en face, parce qu'on n'a pas de counter spell, de toute façon, on a beaucoup de terrain, on veut piocher sur l'indice. On n'a même pas équipé la pince scrap pour faire. Ça permet de, du côté de Marin peut-être faire semblant d'avoir un contre. Où, je pense qu'il voulait piocher deux et garder son blocard. Il doit se dire bah, tu vas piocher une carte. Tu pouvais aussi monter la pince crâne sur le crabe et fetcher dans un surveillant s'il les joue. Et dans ce cas-là, tu faisais une pré-ordain. Mmh. En fait, j'ai pas tout vu ce qu'il avait en interaction éphémère en main. Donc, là, il a le Shred Memory et beaucoup de terrain, il me semble. Genre, beaucoup de terrain. Alors, la Laïa, elle a exilé. Exilé quoi la Laïa? Pourquoi il a pas de marqueur la Laïa? Ouais, il y a un Miss Trigger. Ah, il a oublié. Et il a Miss Trigger et ils sont passés aux dégâts. Aïe aïe aïe. Oui, oui, il a zappé. Il a fait du Miss Trigger. Et c'est du Miss Trigger. Ah, c'est dommage. Hein. Ah, j'espère que c'est pas un drop 5 au-dessus, hein, parce que c'est le Bob qui lui met dans la tête. Hein. Ah, il va fetcher fin de tour, il va faire. Comment toi, dans ce cas-là, imaginons que t'es l'adversaire, tu vois que ton loco il a mis trigger. Tu n'es pas obligé de lui laisser, mais est-ce que faut pas venir un plein arbitre? Normalement, non. Il attaque. Ouais. Mais c'est mis trigger. Après, okay. je suis de nature à rappeler les triggers de mes adversaires, pour ceux qui m'ont déjà croisé. Généralement, je le dis une fois quand c'est majeur, et puis quand c'est. Je me dis à chaque fois, il y a trois cartouches différentes. Il y a. Au bout d'un moment, quand c'est trop rébarbatif, là j'appelle mal. Ouais. Mais bon, j'aime bien que la partie se joue de façon équitable. Yes. Parce que bon, finir une game en disant j'ai gagné parce qu'en fait l'autre il a pas joué sa carte correctement. Faut cool que c'est vrai, c'est ça, ouais. C'est du vélo. Bon, beaucoup de land quand même dans la main de notre ami Ograxias. Après, on va peut-être pouvoir se déplacer tranquillement vers une translune dans DT ou pour DT Vras, DT Interaction. On aimerait bien aussi peut-être Conniv pour faire gonfler le Shredder. Que si on peut mettre 4 en fait, c'est pas mal hein. Bah, y a un monde où en fait on tue à l'aggro. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on tuto. On a déjà claqué Bolt. Et donc on pourra pas DT Bolt, mais est-ce qu'on a un truc à 2 qui est un peu punchy? Bah, il y a Bridge qui fait Bolt, Bolt, Bolt. Ah ouais, j'avais oublié que Bridge était aussi une carte de burn. Mais... C'est vrai que. Alors, on n'a pas beaucoup de cartes au drive, on verra. C'est moche. Hein. Attends, il y a des fetch et tout, on peut nourrir un peu peut-être le cimetière. Non, on va pas nourrir le cimetière là, tu vois. On va prendre un petit Orkish. On va poser Orkish. On va lui nourrir, on va le nourrir tout court. Je pose Orkish. Ouais. Je décide de tuer Dark Confident ou l'elfe. Dark Confident très vraisemblablement, mais. Tu peux pas laisser Bob là. Ton adversaire il est en train de mourir un petit peu. Non, tu peux pas lui laisser de carte. Ça met, une créature au cimetière, il va faire grossir le limon. Bon, en l'occurrence, c'est pas. Là, pour l'instant, tu le tues dans les airs. Je pense assez. Enfin, plus rapidement que ce que lui va faire. Sachant que bah, tu vas poser 2-1-1. Qui, de toute façon. Ouais, t'es à 16 quand même, mais. Oui. 3 points. Ah, il fait pas ça en réponse. Ah, si, il fait ça avant les dégâts, je pense. Moi, changeur. Ok, donc du coup, il lui laisse le Dark Confident. Ouais, bah, comme ça, tu fetch, plus tu prends le coup de Bob. Et si jamais, bah, t'as pas de chance. Trigger Connive du coup? Ah non, excuse-moi, non, il a tout autorisé sur une capacité. Ouais, c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Mais à coup pas. Mais du coup. Bah, 3 blessures, fetch pas mon tour.
Ouais, je sais pas, je suis pas fan. En vrai, je pense que virer le Ah, il y avait quoi du deck qu'on n'a pas vu? Ça, on saura jamais. Il y avait ce gros Chaos Defiler. Virer Darkon, c'est quand même sacrément. Je sais pas, c'est mieux quoi. Ouais, mais ce qu'il disait. Il y a les monstres sur table, hein, donc prendre Bolt. Ouais. Tu peux pas trop. Alors, oui, ce qu'on en veut. Oh, il y a un landau dessus. Excuse-moi, je te fais bailler. Bon, on a la main pleine, mais. Ouais, mais. Le bordé. On se fait prendre à l'agression par Rograx Storm. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est pas un plaisir. Un peu scaling, là. Mais j'aime bien montrer, tu vois, des packs comme ça qui peuvent avoir différentes natures. Mmh. Et mine de rien, tout va dans le même sens parce que tu vois, genre Ledger, bon, bah, c'est un mur. Ça permet de filtrer tes draws. Belfoustrix, c'est la même chose. Orkish Master, ça évite certains plays. Hein. Ouais. Enfin, mais c'est des cartes qui vont dans le sens de la combo quand même. Oui, tout à fait. En tout cas, qui t'aide à l'attendre. Et là, est-ce que j'attaque avec Darkon? Bah déjà, on va penser à faire le trigger l'Alias, toi? Ouais. Attends. Oui, oui. Ok. C'est bien, on touche un land. C'est cool. Tap. On tape. Non, ah oui, c'est Gorge de Lune Cuivre, ça. Eh oui, c'est Gorge. C'est oh. Copperline, Gorge. Okay. On a Beaumaster aussi de son côté. Hein. Ah ouais, ouais. Oh. Mais attends, Beaumaster dans Beaumaster, c'est rigolo aussi. Hein. Je crois que là, c'est surtout Beaumaster qui gère Belfool. Peut-être. Bah ouais. Que ça y ressemble. Ça diminue la clock. Bah, non, bah ouais, je pense que c'est plutôt ça diminue pas forcément la cloque, Jerry Belfool, parce qu'en fonction du nombre de sorts qui seront joués, et t'as les PV qui vont grimper sur le nécrophage, donc. Oui. Par contre, ouais. Toi, t'as peut-être envie de piocher, et du coup, ça t'en un petit peu. Bon, déjà, le land tap. Ouais, y'a pas grand chose à utiliser pour piocher là, malheureusement. Bah ouais, on prend le land peut-être. À moins qu'il ait un drop 2 à jouer absolument. Là, il doit se poser la question de savoir aussi que ça vaut pas le coup d'avoir deux vertes. Il a un vert. Non, mais il a Urborg en main, et, mais le truc, c'est donner. L'adversaire n'a que deux noirs. Que deux noirs. Et donner 5 noirs, c'est peut-être une mauvaise idée. Ouais. Alors, Ouais, bah, Copperline, du coup, sans hésiter. Hein. Bah, si t'as un T2, non. Mais il faut prendre une décision. La Phyrexian, hein, regarde dans la main aussi. Même Phyrexian Tower. Ouais, donc ça fait plein de mana. Ah, on est conservateur quand même, hein. Et le mana rouge ça compte aussi, on est limité. Alors qu'est-ce que la pioche? Ok, c'est une carte active. C'est non, c'est une tour de spar. En vrai, c'est Orkish, il vient bien contester ce petit clamp là. C'est plutôt pas mal. Après, tu clampes le Ledger. Tu mets juste 4 au vol, puis. Ouais, je veux dire, tu peux prendre le plan de « Ah, bah tiens, je vais tout sacrifier pour aller chercher les combos. » C'est ça, oui, bah de toute façon, là, tu ne veux pas du tout activer la pince crâne. Mm. Hormis peut-être, là, il y a Snapcaster au cimetière, dans la main, mais il y a toujours le mana vert d'open. Donc c'est une bonne fin de tour. Je pense que Samfutescu aura très envie de manger le Beaumaster pour la fin de tour. C'est possible, ouais. Et il va... Et du coup, t'essaies de l'attraper là, à ce moment-là, avec le Snap Bolt, et puis... Ça s'entend bien, même. On continue d'agresser. Moi j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Dommage qu'il y ait eu pas un petit sort à côté pour éventuellement. Tu me le dis. Voilà, je. Justement, je. Est-ce que tu me le dis? Bah. Faut lui mettre 2, hein. T'es à 13 quand même, hein. Bon, on n'est pas dans des match-up où l'adversaire va faire berserk sur la Elia, mais. Donc, oui, il est à 5, hein. Il lui a dit go, il a gardé ce verre up. Très très bon sang froid. Or 0. Oh là là, il dit il est... c'est un bon Bob. Hein, Ouais, better Bob. J'ai pas acheté le même Bob. Moi j'en ai acheté un normal. C'est vrai? Genre il te met des dégâts de temps en temps? Non. Ah. Non, parce que j'ai un talent, tu vois. Ok. C'est ce que me disent mes coéquipiers. Quand même, t'as vachement de talent, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon. On est sur une situation pas stable non plus, mais l'adversaire va être obligé à un moment d'aller bloquer.
Ouais. La Elia 4-4, ça fait, c'est une cloque aussi pour le tour qui vient. Clairement. 5 mana, hop, encore, oh, encore un Fastland Capta. Après, la Elia 4-4, tu vois, c'est bloqué par le Kenork. Ça. La Tower. Tower, ça fait des petites choses. Surtout, il ne joue pas la carte, donc il ne peut pas prendre de dégâts. La Dark Confidence, c'est pas vrai, de temps en temps, je le joue, t'es méchant. Je t'ai vu, je me fais. Pas grave. Oh, Broadside par contre c'est. Broadside t'as fait des games. Broadside ça fait très mal aussi, oui. C'est. Ça permet de jeter l'obscur confidence sur. Pourquoi sur... il a pas gardé son verre de. Je sais pas. En fait là on peut tuer le. On peut tuer le digiteur de registre. Faire deux triggers de Bowmaster. Tuer du coup le token et le Baleful Strix. Et du coup on rend. Non, on vient de renverser la partie. Ouais. Si on fait phase d'attaque comme ça, du coup il n'y a plus qu'un seul bloquant. Et Ouais, sauf que là en fait tu sais ce qui se passe. Non. C'est que vu qu'il a pas de verre, bah, Snapcaster Bolt sur Bombardier. T'es nul. Nul. T'es nul. C'est nul. Quelle est la valeur de ce mana rouge? Je crois qu'il a une fable dans le nom. C'est dommage de lâcher son plan de jeu qu'on a bien tenu proprement. Regarde-le. Snap. Oh non. Bolt. Et on avait gardé le mana vert. Bah, on avait gardé le mana vert. Le Slime Foot était. Attends, il était back to back même. Ouais, il était bien. Bah, il rasait toutes les créatures. Ouais, il était très très bien. Il rasait toutes les créatures. Tu bloques avec le crap pour éviter de crever. Du coup, tu prenais 2, 3. On vient gentiment de dire aux joueurs de Slime que ça. C'est bien de casser Snapcaster, mais utilise du bleu. Ouais, c'est ça. Du coup, là, tu mettais 7, tu le mettais à 6, il avait plus rien. Ah, non, juste pour ce mana. Donc, ouais, c'est des games qui jouent encore au détail, hein. C'est comme les games de tout à l'heure. Ouais, ça joue au détail. Parce qu'en vrai, c'était à peu près gagnable pour Slime Foot. Difficile, mais gagnable. Alors que là. Le Broadside est une très bonne créature. Lightning Bolt. Non, de ce fait, si on est malin, on l'a attrapé en début de phase d'attaque. Comme ça, le mana va être consommé et disparaître. Ouais. Ça évitera que ce soit investi. Ce qui. Si. Ah non, mais début de phase de combat, et ouais, t'as raison, on est bien. C'est ça, ouais. C'est ça, bah là, on est trop bien, là. Bah, on doit être tellement heureux côté Rograxilas qu'on a eu peur. Hein. Et là, on pump en plus. Mm. On va acheter du land, je pense. Hein. La cloque, elle est déplacée. Non, faut jeter une carte active si tu veux déplacer la cloque. Mm. Mais il y a quand même Rouge Noir, est-ce qu'il la garde en poche? J'ai l'impression que malheureusement c'est pas. Ah, il est Terminate, mais il a pas le land. Ça fait de. Mais si, il vient de faire du noir avec ça. Oh, oh bah, il va quand même lui faire le Wamashigiri du draw 2 sur. Ouais. Ah oui. Do it. Ouais, mais c'est okay. Pas gagné du coup. Bah, c'est pas gagné, mais on va enlever. On va enlever beaucoup de choses. On va enlever Snap, Belfool et la volante. Ouais. Et il restera une 1-1. Oui, je dis pas non plus que c'est mort, hein. C'est juste 10, ouais. N'est pas gagné. Donc là on joue, faut pas oublier, faut jouer la carte. Oh là, ça discute. Et la marque. Non, non. J'ai pas vu la ligne. Non. Tu étais l'élu. Tu étais l'élu deux fois d'ailleurs. Tu étais deux fois l'élu. Au lieu de quelle vie. Ah, du... Oh puis ça va se retrouver. Oh bah non. Oh bah non, c'est dommage. Il a encore mis. Oui, 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 parce que sur la. Ah oui, non, mais. Le Konaïve, il a pas le choix. Mais il avait gagné. Bah, du coup, avec le Konaïve, il avait gagné. Ouais, mais visiblement, il a l'air un peu saoulé le genre de. Oui, je pense que. Bon, ça va pas l'air de. Voilà. Pas comme ça, Zinedine. Ah bah, c'est sûr que Zinedine, il avait un beau but à mettre là. Hein. Si vous avez un meme dans la même veine, on parle donc du coup Obi-Wan. Ouais. Allez-y. C'est ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'était triste. Hein. Ça me rappelle un peu le flash d'endurance de tout à l'heure. Moi ça m'a fait. J'étais en mode. Oh bah non. Non, bah non, t'avais gagné, arrête. Had high ground. Ah. C'est pas mal aussi. C'est ça. Faut être un peu gamer. Dépassé par leur nombre et leur supériorité numérique et leur nombre de 2. Ouais. Comme d'un strike sommelier. Ah, il a l'air un peu déçu le joueur de Slime Foot. Ouais. Il a quand même bien mené sa barque avec une Manades. Oui, il a parti. Après la Manades, ça a un petit. Mais je pense qu'on. C'est... Comment ça a un petit été. Et puis surtout, c'est dur de se dire que. Attends, je vais procurer un avantage à mon adversaire en anti-bête. Ah oui, mais attends, j'ai aussi ma créature qui va permettre de gérer ses créatures.
Parce que oui, là, l'équipement du Pince Crâne, il était super dangereux. Hein. Parce qu'avec le Bowmaster, ça tuait les deux volantes. Ouais.